Coucou la famille, bienvenue sur Douceur de Felora. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la recette de la crème chantilly mascarpone, une recette des plus simples que l'on rend plus gourmande grâce au mascarpone. Alors, place à la recette. On commence par porter le lait à frémissement. On y ajoute le sucre, on mélange bien pour le dissoudre. On ajoute la vanille liquide. Et on finit avec la gélatine. On mélange bien pour la faire fondre. La gélatine est facultative, elle permet que la crème tienne en dehors du frigo. C'est valable pour toutes les crèmes que je ferai sur ma chaîne. On place ensuite notre crème dans un récipient, on y ajoute la crème liquide et on mélange bien. On finit en passant le mixeur plongeant pour bien homogénéiser le tout. On filme au contact et on place 6 heures en réfrigérateur ou toute une nuit. On récupère notre crème. Voyez comme elle a bien pris. On commence par mettre la mascarpone dans le bol du robot et on fouette pour la détendre. On racle les contours du bol et on continue de fouetter. On ajoute un peu de notre crème et on continue de fouetter pour homogénéiser notre préparation et éviter les grumeaux. Et on finit par verser tout le reste de notre crème. On commence par fouetter à vitesse moyenne pour éviter de repeindre la cuisine, puis on finit à vitesse max. On racle régulièrement les bords. La crème doit tenir au fouet mais rester très onctueuse et aérienne, donc ne pas battre trop longtemps pour éviter qu'elle ne graine. Voilà comment elle doit se tenir sur le fouet. Elle doit faire ce que l'on appelle le bec d'oiseau. Cette crème se conserve 3 à 4 jours au réfrigérateur et peut rester à température ambiante plusieurs heures, même toute une nuit si vous mettez la gélatine. Idéal pour garnir les gâteaux ou faire des décors à la douille. Dites-moi dans les commentaires comment vous allez utiliser cette crème chantilly mascarpone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, laissez-moi un pouce bleu si la recette vous a plu. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous car une prochaine vidéo arrive bientôt, alors à très vite sur Douceur de Felora.